Michel Connard, 54 ans, est comme beaucoup de Français, touché par l'un des plus grands mal de ce siècle, le racisme. Aujourd'hui, il témoigne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fermé d'esprit, l'émission pour les cons. Bonjour Michel. Bonjour. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier d'être ici, parce que je sais que ça ne doit pas être forcément évident pour vous de vous exprimer sur ce sujet de façon aussi ouverte pour vous. C'est vrai qu'on voit très peu de racistes dans les médias, hein, et c'est pour ça que je vous ai proposé cette interview. Hein. Je pense que vous avez aussi le droit de vous exprimer. Merci à vous. Merci à vous. C'est vrai que je vous cache pas que c'est pas sans émotion que je suis ici, hein, mais si je peux aider d'autres racistes ou même faire naître des vocations, eh bien j'en serais heureux, tout simplement. Vous m'avez l'air d'être quelqu'un de bien. Bon, alors première question, pourquoi êtes-vous raciste, hein? Quelles sont les origines de tout ça? Bien, en fait, ça vient de mon père. Voilà, hein, depuis tout petit, il nous a toujours dit de se méfier des bamboulas. Pardon. Y a pas de mal. C'est l'habitude. Je comprends tout à fait. Donc, de se méfier des Noirs, excusez-moi, des Arabes, des Chintoks aussi. Voilà, il nous a toujours dit de ne faire confiance qu'aux Français et qu'il fallait haïr tout le reste. Sauf pour les Ch'tis. Il nous disait toujours qu'ils étaient un peu bizarres et tout, j'ai jamais trop compris. Enfin, bref. Et tous les dimanches, il nous emmenait fracasser du gitan. Donc voilà, c'était la petite tradition familiale que je perpétue moi-même avec mes enfants, hein, tous les dimanches après-midi également. C'est beau. Alors maintenant, racontez-nous ce que ça fait d'être raciste au quotidien. J'imagine que vous n'avez pas la même vie que n'importe qui. Alors oui, effectivement, c'est un peu différent dans le sens où moi, quand je vais voir une personne noire, par exemple, je vais me sentir obligé de l'insulter ou même de lui cracher dessus, voire de lui exploser la gueule, comme avec les gitans, hein. Ça sert aussi à ça, c'est aussi de l'entraînement. D'ailleurs, souvent ils me disent « Pourquoi vous faites ça, monsieur? Qu'est-ce qui vous prend? Ça va pas ?» Et je leur dis « Bah, fallait pas être noir. » Voilà, pour moi, ça me paraît évident, mais il y en a apparemment à qui ça passe au-dessus, quoi. Hein. Oui, alors justement, étant donné que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec vous, comment ça se passe vis-à-vis des autres? J'imagine que c'est pas toujours facile pour vous. Oui, totalement. Pour prendre un exemple, tout à l'heure, je suis venu ici en taxi. Bon, jusque-là, tout va bien. Le chauffeur était d'origine maghrébine. Bon, déjà, ça va moins bien. Hein. Je me reculais dans mon siège pendant le trajet pour être le plus éloigné possible de lui. Normal, quoi. Et donc, arrivé ici, je descends du taxi. Je ne le paye pas. Bien évidemment, je lui fais un énorme bras d'honneur comme ça et je lui dis « Retourne dans ton pays, sale bougnoule ». Et à ce moment-là, les gens dans la rue se sont retournés vers moi en me regardant comme si j'avais commis un crime, vous voyez. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas toujours évident, hein, on a l'habitude d'être montré du doigt. Parfois, on a vraiment l'impression d'être un monstre, quoi, vous voyez. Effectivement, ça doit pas être simple tous les jours, ça c'est sûr. Mais on s'accroche, hein, on lâche rien. C'est ce que je vois et je vous en félicite. Enfin, dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez changer? Si vous étiez à la tête de l'État, par exemple, que feriez-vous pour améliorer le racisme en France? Alors déjà, je pense que je créerais un ministère du racisme, hein, vous voyez, pour s'occuper de tout ça. Et à partir de là, je mettrais en place une sorte de brigade spéciale qui renverrait les gens qui ne sont pas blancs dans leur pays d'origine. Mais pas tous, hein, certains serviraient d'esclaves. Parce que voilà, l'époque de la traite négrière, etc., était une époque formidable, je trouve. Hein. Bon, après, je ne suis pas politicien, donc voilà. C'est vrai que je me dis qu'on a peut-être une chance de voir le retour de l'esclavage un jour en France grâce à des personnes comme Marine Le Pen, par exemple. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Eh bien, j'espère que votre discours a touché beaucoup de monde. Pour moi, en tout cas, c'est réussi et je vous soutiens à 100%. J'espère que votre message a été entendu et que demain, plus de Français se réveilleront racistes grâce à vous. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Un énorme merci à vous, Michel Connard, pour avoir fait preuve d'autant de sincérité. Ah bah si, on peut aider. On ira se casser du gitan de ces jours tous les deux. Hein. Quand vous voulez. À la semaine prochaine, nous recevrons Philippe Enfoiré, qui est président de l'association des homophobes français. Enfin, si on se fait pas arrêter avant, parce qu'on n'est pas aux États-Unis quand même, faut pas déconner. Enfin bref, à la semaine prochaine. Ou pas, du coup. Au secours! Pédophile! Oui, enfin, vous me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici.